Salut à tous les amis, c'est Tikev. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 8 des Simpsons. Et comme vous le voyez à l'écran, je touche pas l'iPad, comme ça vous avez une belle vue, vous avez pas l'interface et tout. Vous voyez Homer qui est en train de se boire une d'œuf, ou je ne sais pas quoi, une bière, et la maison de retraite qui a été construite aussi du coup, donc plein de nouveautés aujourd'hui à vous présenter. Donc la maison marron nouvelle, donc voilà. Aussi le citronnier que j'ai eu hier dans la boîte surprise, donc je suis heureux parce que moi je l'ai jamais eu en fait, et là j'ai envie de l'avoir. Donc ouais, là, je suis un papa cool, chauve et cool, mais pourquoi mes cheveux poussent par deux? Tout voilà pour les films étrangers. Mais... Demandez à Coulomer de se balader avec une... Donc là, comme vous le voyez, du coup, c'est le troisième costume. Alors, se balader avec un air dédaigneux. Donc voilà, on voit Homer qui se la pète un petit peu. Donc voilà, bah, la maison marron que vous voyez là. Et là, j'ai essayé de faire un petit truc assez sympa, un petit côté... Donc là, le serpent... Donc, j'ai redémarré à faire des quêtes de 8 heures. En fait, on gagne beaucoup plus d'argent en fait en faisant cela. Donc, les nouveautés. Donc, j'ai trouvé une ville à vous présenter. Vraiment pas mal. J'ai la ville aussi de mon ami Anko Enix qui a beaucoup, beaucoup avancé et qui est vraiment belle. Il s'est fait plaisir. Il a acheté aussi quelques maisons. Il a acheté des donuts, quoi. Donc, il a craqué aussi un peu. Moi, du coup, là, pour l'instant, j'ai rien dépensé comme argent pour le jeu, là. J'avance au fur et à mesure, histoire de finir les maisons, les choses comme ça. Parce que là, bientôt, je vais avoir la mairie à faire, comme vous le voyez, la maison des Munts, l'appartement de Crapabel et le Channel 6. Et là, vous voyez le prix du bureau de poste, 207 000 $. Donc, j'y suis pas encore, j'ai que 65 000, là. Donc voilà, donc ce que je compte faire à l'avenir en fait, c'est, vous voyez là, les 6 maisons roses, ou violettes, ouais, roses, voilà, les gicler, et à la place mettre les bâtiments officiels du jeu, quoi, parce que là ça commence, en fait j'avais fait ça au tout début pour gagner rapidement de l'argent pour pouvoir avancer, et voilà, donc après toutes les maisons bleues ici, au pire je laisserai sûrement une allée de maisons bleues, je trouve elles sont... J'aime bien le bleu et puis même ça fait pas super moche encore, mais deux allées ça fait trop chargé. Donc voilà, je pense la mairie, je vais la mettre à la place des maisons des Van Houten. Et maison des Van Houten, je vais la claquer ici, là, dans la maison violette. Et la violette, je la calerai où il y a de la place, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais directement aller vous présenter la ville. Alors la ville, elle s'appelle, c'était... Et le papier, si je ne l'ai pas acheté, bien sûr. Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors déjà, Yogos, voilà, il est là. Donc j'ai un problème pour les invitations, j'ai reçu je sais pas une dizaine d'invites, je vais vous montrer ça et je sais pas, l'invitation j'arrive pas à vous accepter, donc on va regarder ça aussi ensemble. Donc voilà, très belle ville aussi là. Alors j'avais vu quelque chose qui m'avait super plu, ah voilà c'est ça, voilà c'est son coin là. C'est autour avec le lac et tout, il a fait un petit peu le même style que moi mais il a fait ça en... sur un lac quoi, ça fait une petite île et tout, c'est vraiment sympa quoi. Après la petite Ferrari qu'on voit là, et... enfin non, elle est vraiment bien sa ville. J'aime bien. Il fait plusieurs petits îlots là, comme celui-là là, avec des arbres, ça peut être sympa juste pour la déco. Moi après ce que je compte faire une fois que j'aurai fini de construire et tout, c'est par exemple en bas à gauche, en bas à droite de ma ville. Putain là c'est sympa aussi, ça fait petit... champ. Donc on va aller voir la ville à Anko Enix et je vous dis ce que je veux faire en même temps. Dans ma ville, ce que je compte faire, c'est finir en bas à droite avec que de la forêt. Et après, plus tard, par la suite, quand j'aurai fini de construire un petit peu tous les bâtiments officiels, tout ça, faire une sorte de chemin qui se barre en fait sur un lac. Et à côté du lac, faire par exemple une stade, les stades de volley, toutes les chaises longues et enfin tout ça quoi. Comme ça, ça fait un style lac et tout. Alors, Anko Enix, vous voyez, des amis, j'en ai à tire l'arigot. Je reçois des invites. Regardez, par exemple, hop. Nouveauté, invitation. Et là, vous allez voir. Normalement. Bon, alors là. Voilà, regardez. Tout ça. Tous les gens. Donc, bah, je vous remercie hein, de vouloir tous m'ajouter. C'est vraiment sympa. Mais normalement, quand j'accepte, ça me met
Et voilà. Donc soit j'ai trop d'amis dans ma liste d'amis, ou donc je suis désolé pour tout ce petit monde, parce que même moi je peux pas voir vos vies, donc au pire après il faudra que je fasse le tri dans les villes que j'ai qui n'avancent pas. Parce que j'essaye de regarder au moins une fois par semaine aussi pareil les villes pour essayer de vous pour trouver une ville à vous présenter du coup. Alors en Koenix. Donc voilà. Vous étiez beaucoup à l'attendre hein, cette vidéo, j'ai regardé les commentaires et tout, je suis désolé de l'attente. J'avais pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc la ville de Jerem, de Anconix. Donc là, Springfield, comme vous l'avez vu. Citronnier, on va prendre. Hein, tac, tac. La maison marron qui laquelle est là. Il aurait pu laquelle ailleurs. Hein. T'aurais pu nous faire un plus beau truc, Jerem. Ensuite. Oh là là. Bon, on a eu un petit bug en direct, les amis. Donc on va relancer ça tout doucement. Qu'est-ce qu'on adopte aussi qui va venir oui, bah là du coup je suis beaucoup sur Wakefu hein, comme vous le savez. Donc alors on va retourner dans la ville en Koenix, mais vite fait, voilà en fait c'est là. Vous voyez là j'avais commencé une parcelle de forêt là ici. Avec le kiosque, tout ça. Et ici là. Et donc là ce que je veux faire c'est acheter les deux morceaux de terrain. Et ben vous savez quoi, on va le faire en direct. Allez, soyons fous. Je crois que j'ai assez. Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon. On va déjà acheter ce morceau, voilà. Et là, il me reste pas assez pour acheter l'autre. Donc, du coup, comme vous le savez, moi, je garde tous les déchets. Ouais, oui, donc voilà, j'avais une question d'une personne dans les commentaires qui me demandait comment déplacer les déchets. Bah, regarde, c'est tout simple. Tu fais la flèche pour déplacer tes objets, tes maisons. Hop, tu prends bah, ton déchet. Et après, bah, tu le déplaces. Moi, ça va vers le cimetière. On va attaquer la troisième rangée, hop, voilà. Et après, moi, je garde ça, en fait, pour essayer un peu de gonfler la déco, parce que c'est pas, ça fait un peu d'orange, c'est pas mal, quoi. Je mets là, bon, en fait, je suis en train de faire une allée de bouse, de déchets. Et j'espère aussi qu'ils nous feront, après, je dis ça, peut-être à l'avenir, ça se fera, hein. Après, si même les gens, les développeurs qui font ce jeu regardent mes vidéos, ce que je suppose très fortement que non. Mais là, vous voyez, il y a de l'eau et on voit des sortes de cases, là. Regardez, quand je pousse, en fait, on voit là, une sorte de trait noir en bas à gauche, là, qui apparaît un peu. Ce qui serait super sympa de faire, c'est d'insérer le marin, là, celui qui... le marin Simpson, et de faire genre qu'on puisse aller récolter des poissons et tout, en faisant une quête. Enfin, je sais pas, ça pourrait être sympa, je trouve. Enfin, des conneries comme ça, quoi. Donc, allez, on retourne dans la ville en Koenix. Et après, je vous laisse. On va se quitter là-dessus. Alors... En Koenix. Alors, Greg. Alors, tac, tac. En Koenix, là. Hop. Oula. Tac. Je vais vous montrer sa ville. Et puis ensuite, on se quittera là-dessus, les amis. Donc voilà. Non, belle petite ville. Hein. Sérieusement. Oh, il a fait un terrain de foot. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, sympa. Super sympa. Vraiment pas mal. Ça aussi, ça sera. Faudra que j'y teste avec les gradins, les bancs pour faire gradins. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, bien géré, Jerem. Pas mal. Donc là, vous voyez aussi, il a fait un fleuve qui descend comme ça, là. Vraiment pas mal. Regarde, par exemple, son église, elle est sur une petite île, en fait. Donc voilà. Là, le grand parking avec sa rue de Paris à lui. Et le cimetière qui est magnifique aussi. Très beau cimetière. Donc voilà les amis, donc bah, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vos villes. Et allez-y, hein, tous ceux que j'ai dans ma liste d'amis, bossez, faites des choses, par exemple, voilà, des choses qu'on ne voit presque pas jamais. Par exemple, moi j'ai fait ma tête de creeper, je sais pas, j'ai eu une petite idée là. Lui, Jérôme a fait un terrain de foot, c'est une super bonne idée aussi, je trouve. Mais essayez de trouver des idées, creusez-vous la tête, faites des choses et tout. Et après, bah, moi comme ça, je présente votre ville en fait. Donc voilà. Bon bah les amis, je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis tchuss, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, allez tchuss!